J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo. Nous sommes fin novembre. J'ai fait un calendrier de l'Avent avec Sissi et Scrabidule et Tourbichon, donc Nathalie. Malheureusement, pour des problèmes personnels, elle a dû fermer sa chaîne. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc voilà, je ne sais pas. Elle m'a juste dit raison personnelle. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un récapitulatif des deux calendriers de l'avance que j'avais mis en commun ou pas. Bien sûr, vous aurez cette vidéo après le 25 décembre, quand ils auront tout ouvert. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Sissi si jamais vous voulez voir un par un. Ou alors là, vous allez avoir le condensé de tout. Je vais commencer par les choses en commun et ensuite les choses qui ne sont pas en commun, qui diffèrent un petit peu. Pour commencer, le numéro 1. Alors, il n'y a que le numéro 1 et le numéro 25 que je sais que ce sera ça. Par contre, les autres, je ne sais pas du tout. Ça sera vraiment très aléatoire. Donc, j'ai voulu faire ceci. Donc, en fait, c'est un mini calendrier de l'Avent garni de chocolat, qui se présente sous forme de tour comme ceci. Alors je suis à la nouvelle maison, j'ai pas l'habitude de filmer comme ça, donc j'essaye de bien vous montrer, promis. Et donc en fait, ça se coulisse comme ceci, et dans chaque petite boîte, vous avez des petites gourmandises. Alors j'ai utilisé uniquement des papiers de Chien Action, mais ça c'est de très très vieux papiers que j'avais eu lors d'un achat sur Facebook. J'avais eu énormément de papiers. Et là c'est celui de Chien Action avec les gnomes de l'année dernière. Et les petits die cuts, ce sont les petits blocs là à 99 centimes de l'année dernière également. Non, ceux-là, c'est... Si. Je sais plus si c'est les petits ou si c'est les paper set. Je ne sais plus. Donc voilà pour le numéro 1. Et pour le numéro 25, j'ai décidé de faire le même cadeau à tout le monde. Ma famille auront également ce cadeau-ci. En fait, c'est un calendrier perpétuel. Donc pour Nathalie, je suis partie... Elle adore tout ce qui est vintage. Donc je suis partie sur du vintage et Sissi adore le rouge, le vert et le jaune. Donc du coup, là on a bien sûr les mois de l'année. Ensuite on a les jours, donc lundi, mardi, machin. Et là on a les numéros et comme ça on peut venir faire notre petit calendrier. Je suis venue faire de l'embossage à chaud. Donc là, j'ai rien inventé, c'est des vidéos que j'ai prises sur internet. Normalement, j'ai les noms des personnes qui ont réalisé les tutos, donc je vous le mettrai bien sûr, puisque j'ai fait que suivre les tutos, et j'ai utilisé en fait des dies. Pour faire ça, j'ai utilisé des dies. Là, j'ai utilisé un autre dies. Là également, j'ai utilisé des dies, là aussi. Et j'ai fait tout avec de l'embossage à chaud. Par contre, pour cela, j'ai utilisé la Scan & Cut. Et pour faire les numéros, j'ai utilisé la Scan & Cut également. Alors, ensuite, je suis grande fan de moulage. J'en ai énormément. Des moules, vous savez, pour normalement, c'est pour le chocolat. Mais moi, je fais du plâtre à l'intérieur avec la plasticine de chez Action. Donc, du coup, j'ai mis... Bon, en fait, là, j'ai un peu mélangé, mais c'est exactement tous pareils. Donc là, on a un peu un thème Halloween. Et mes petites boîtes, je les ai réalisées avec un Scan & Cut. Donc j'ai fait deux conditionnements, une plus grande et une plus petite, pour venir y mettre des petits moulages déjà comme ceci. Ensuite, des moulages comme ceci, fleurs et feuillages. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer la boîte, bien sûr. Ce sont... en fait, j'ai utilisé toujours les mêmes blocs de papier. Ensuite, dans les moulages, j'ai également cela. Donc là, ce sont plein de lettres. Et ensuite, j'avais des petites étiquettes comme ceci en
en tissu. C'est écrit en anglais, donc je sais que je les utiliserai jamais. Donc, je préfère les offrir. Je sais même pas. Ouais, je crois que c'est de l'anglais. Hop, comme ceci. Bon, je refermerai après, sinon ça prend du temps en vidéo. Ensuite, là, j'ai un format un petit peu plus gros. Avec plein de moulages, cette fois-ci, sur Noël. Faut pas oublier que c'est quand même un calendrier de l'Avent, hein, donc hop, vous voyez rien. Donc, il faut mettre quand même des choses de Noël. Donc, je vous montre vite fait parce que vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Mais ce sont que des moulages de Noël. Ensuite, les derniers que j'ai achetés sur Shein. Alors, ceux-là, je les adore. Ils sont trop beaux. Ce sont en fait des numéros comme ceci. Donc, le 9, le 7, le 4. Donc, on a de 0 à 9. Et je trouve qu'ils sont magnifiques. Normalement, c'est pour faire des bougies. Mais je les ai trouvés magnifiques. Voilà, donc c'est fini pour les plâtres. Alors ensuite, je me suis amusée à faire ceci. Donc la boîte de Sissi avec un petit pochon pour présenter en violet. Et j'ai fait des petits cabochons comme ceci. Donc elle pourra s'en servir pour ce qu'elle veut. Des bijoux d'album, etc. Voilà. Et ensuite pour Nathalie, plutôt dans des tons marrons. Et voilà les modèles que je lui ai réalisés. Ensuite j'ai fait des petites étiquettes comme ça, fait maison. Donc c'est avec des dies de chez Shein. Donc ce sont plein de petites étiquettes comme ça. Je vous les montre vite fait. Je ne sais même pas si vous voyez que grand chose. Hop. Et pour Nathalie, la même chose, mais en version, hop, comme ceci, vieilli. Ensuite, j'ai fait des découpes. Donc là, ce sont plein de mots. Donc on a souvenir, ouais, souvenir, ticket, sourire. Enfin voilà, plein de mots en français. Après ici, je me suis amusée à faire plein de petits cachets de cire. Donc là, il y en a énormément. Je ne vous les montre pas en détail. Ensuite, des découpes de papillons. Donc il y a 4 tailles. Le tout petit, le moyen et le plus gros comme ceci. Et ensuite, j'ai fait tampons et découpe de petits gnomes comme ceci. Donc sur plusieurs thèmes, Pâques, Noël, etc. Ensuite, des rubans. Donc comme ceci. Dans des tons de jaune. Dans des tons de rose. Et dans des tons de... C'est pas les deux mêmes. Celui-là est plus foncé et celui-là est plus clair. Ensuite, des petites boîtes comme ceci. Donc normalement c'est le même dans les deux. Comme ceci avec plein de petites babioles, un peu comme une embellishment box. Ensuite, mes petites fleurs que j'adore. Donc les jaunes, les comme ceci et les comme ceci. Donc toutes les trois chacune. Et ensuite, ceci, donc un pochoir comme ça et un pochoir comme ça pour chacune. Voilà pour tout ce qui était en commun. Maintenant, tout ce qui n'est pas en commun. Donc, je commence pour Nathalie. J'ai mis une boîte comme ceci. En fait, c'est un gabarit pour pouvoir faire une petite boîte de calendrier de l'Avent, pourquoi pas, ou pour autre chose. Ensuite, on reste dans les boîtes, dans les valises. J'ai mis cette petite valise. Ensuite, ceci, donc c'est un morceau de liège. Donc elle pourra en faire ce qu'elle veut. Ensuite, des petites strass comme ceci. Donc mélange mixé de paillettes, c'est écrit. Donc dans des tons de rouge et dans des tons de un peu violet. Ensuite, ceci, donc c'est un petit album assez rigide, très rigide même, en carton.
très 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 jolie. Donc là, elle pourra venir le customiser si elle souhaite, y ajouter des photos, des tamponnages, etc. Enfin, comme elle veut. Voilà. Il est vraiment très très épais. Les pages sont très très épais et très très vintage. On adore. Ensuite, dans une petite boîte comme ceci, je lui ai mis des petits pochoirs comme ça en métal. Comme ceci. Et dans une autre petite boîte, enfin plus grosse boîte, je lui ai mis donc des petites fleurs. Là, ce sont des petites pinces avec un petit cœur. On a des petites pinces avec une fleur, un papillon. Et là, ce sont plein de petites babioles en bois. Hop, je ne vous fais pas le détail, mais il y a des petits cœurs, il y a un polaroid, il y a des fleurs comme ceci, des papillons en mousse et plein de lettres. Hop. Ensuite, une planche de tampons avec écrit, si on veut, Merry Christmas et tout ça. Vous savez que j'aime pas les choses en anglais, donc du coup, ben, je préfère les offrir. Ceci, donc c'est en carton et c'est un petit bulldog. Je sais que elle adore les bulldogs, donc j'espère vraiment que ça va lui plaire. Et ensuite, ceci, donc c'est écrit la famille. Elle peut le mettre debout, elle pourra le customiser, etc. Ensuite, pour Sissi, elle adore Disney et elle adore Harry Potter. Donc, je lui ai trouvé plein de petites choses. Pour commencer, j'ai fait deux boîtes. Donc là, avec des petites épingles et des soleils. Tout plein de petits tags parce qu'elle adore ça. Et là, ce sont des sentiments en anglais avec des paillettes. Ensuite, ici, ce sont des tampons avec des sentiments qui ne sont pas en français. Et là, ce sont des petites boîtes, comme ceci. Donc, on vient mettre à l'intérieur, là et là, et ça fait des petites boîtes sur Hello Kitty. Donc, comme ceci. Comme ceci. Donc, on a des plus petites et des plus grandes. Voilà. Ensuite, on continue dans Disney. Des petits stickers comme ceci. Donc sur le thème de Mini, hein, il y en a pas mal. Là, des petites cartes d'anniversaire. Donc là, elle pourra peut-être juste découper, récupérer les images ou quoi, comme elle veut. Ici, ce sont des petits tags. Je sais que Sissi adore les tags. Là, ce sont des lettres, des stickers, des cadres, enfin plein de choses à l'intérieur. Là, on a des mots en anglais, des petits stickers, des lettres. Hop, plein de choses comme ceci. Ensuite, ceci. Donc là, on a plein de petits stickers, etc. Des lettres. Ensuite, ceci. Donc c'est des trucs à gratter sur le thème de Disney visiblement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est génial. Donc j'en ai pris directement. Ça, ce sont des stickers gel. Donc j'imagine que ça se met sur les fenêtres. Mais bon, après elle n'est pas obligée de les mettre sur les fenêtres. Elle pourra en faire ce qu'elle veut. Et ensuite, j'ai craqué. J'ai trouvé des choses Harry Potter. Donc une paire de ciseaux. J'ai oublié de retirer le prix. Je vais le faire juste après. Ensuite, des petites gommes Harry Potter. Le taille-crayon. Et ici, on a le set d'écoliers avec la règle, le rapporteur, c'est des équerres, je crois. Ouais. Le kit écolier, quoi. Et ensuite, je sais que Sissi adore Gorgeous. J'avais trouvé les plaques d'embossage. Bon, je les ai pris pour moi, mais je les ai pas pris en double parce que c'était un peu cher, je crois. C'était, je sais même plus c'était combien, 5 euros l'unité, je crois. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même lui faire quelques... Je perds mes mots.
quelques échantillons, voilà, qu'elle pourra utiliser. Donc, je vais venir emballer tout ça. Hop. Donc, pour ma city, j'ai choisi de partir. Donc, j'avais déjà utilisé ce bloc pour faire le calendrier de l'Avent, etc. Enfin, le cadeau numéro 1. Je vais prendre cette petite carte, super mignonne, trop mimi, j'adore, avec la petite enveloppe assortie. Ensuite, les petits chiffres comme ceci de la collection. Et ça, ce sont les petites... comment ça s'appelle ? Les tags qui sont dans les paper sets de chez Action. Donc j'en ai pris 25 que je viendrai mettre avec ça. Donc au début je voulais mettre une petite épingle, mais comme je suis dans le déménagement, je sais pas où ils sont. Je vais voir pour mettre autre chose. Au pire je les mettrai directement sur la ficelle. Et pour ma petite Nathalie, j'ai trouvé des petits boubous, ça je pense qu'elle va adorer. Elle dit boubou pour bulldog ou son chien s'appelle boubou, je ne sais pas. Mais à chaque fois elle disait ça dans ses vidéos, donc j'ai trop pensé à elle quand j'ai vu cela. Et si c'est pareil, enfin les petits chiens, Cooper, voilà. Donc ce papier là de chez Action avec les petits numéros. Et puis exactement pareil, les petits tags. Ensuite, pour l'emballage, pour ma Sissi, j'ai trouvé ceci. Un magnifique papier cadeau mini. Il était trop mignon. Et pour Nathalie, je vais prendre du papier craft comme ceci, tout simple. Et pour les deux, je vais mettre du ruban comme ceci. Donc c'est parti pour tout emballer. Il a emballé tout le calendrier de l'Avent de Sissi. Malheureusement, pour le premier et le dernier, j'avais plus assez de papier. Donc du coup, j'ai pris le craft. Donc voilà, la petite carte. Et puis, je vais ajouter les petites feuilles embossées. Et voilà, je viens d'emballer tous les cadeaux pour Nathalie.